Le nouveau conseil municipal, issu des urnes le 9 mars et composé de 29 membres, s'est réuni devant une nombreuse assistance dimanche 16 mars à l'hôtel de ville pour élire le maire et ses adjoints. J'avais ouverte cette séance d'installation du nouveau conseil municipal. Je souhaite ici la bienvenue à tous les collègues qui sont ici autour de la table. Quelles sont les candidatures au poste de maire? Je demande la parole. Mes chers collègues, au nom de la liste Saint-Laurent-Blangy passionnément, je propose la candidature de Jean-Pierre Delorme. Il y a 3 bulletins blancs et 26 bulletins pour M. Jean-Pierre Delorme. Jean-Pierre Delorme a été réélu maire à la majorité absolue, moins 3 voix. 8 adjoints, Jean-Claude Desfachel, Marie-France Maucourant, Christophe Lourme, Nicolas Kusmirek, Christian Béharel, Fatima Attini, Jenny Deruy et Armel Danvin, et 4 délégués de la commune à la communauté urbaine, Jean-Pierre Delorme, Jean-Claude Desfachel, Marie-France Maucourant et Nicolas Kusmirek, ont également été élus à l'occasion de cette réunion. Après l'installation du conseil municipal, une gerbe a été déposée au monument aux morts. Les Immercuriens étaient ensuite conviés à la salle des fêtes pour la traditionnelle aubade de l'harmonie municipale donnée en l'honneur du nouveau maire de Saint-Laurent-Blangy. Après l'aubade de l'harmonie municipale, 11 anciens élus immercuriens ont été mis à l'honneur en recevant la médaille de la ville. Il s'agissait de Alain Manessier, Elisa Châtelain, Bernard Boudou, Francine Gendrin, Jean-Louis Verdi, Italie Serriès, Valérie Leroy, Sylvie Delabre, Xavier Gamin, Yves Beauciel et Richard Bollier. Le verre de l'amitié a terminé cette matinée.